sur les petits écrans depuis quelque temps, Réseau, une comédie dramatique ivoirienne de 6 épisodes d'environ 20 minutes. Cette série ivoirienne nous fait découvrir la vie privée avec ses joies et ses peines de 3 pères de famille, tous la quarantaine, au cœur de multiples péripéties colorées du sexe et qui, au fil du temps, seront confrontés à la réalité du VIH-Sida. Cette série vise à sensibiliser sur les risques liés à certains comportements sexuels déviationnistes. J'ai besoin de mieux comprendre vos décisions. Comme ça, je pourrais vous conseiller. Alors, qui vous a demandé de faire le test et pourquoi? Docteur, c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a une amie qui est séropositive et qui m'a demandé avec insistance de faire le test de VIH. Jusque-là, les campagnes étaient ciblées sur les jeunes. Mais l'étude a révélé qu'aujourd'hui, le sida a changé de visage en Côte d'Ivoire. Donc, il était important de concevoir une série qui s'adresserait à cette tranche d'âge-là qui est comprise entre 35 et 55 ans. En général, c'est une tranche d'âge qui est mariée et c'est une tranche d'âge aussi qui, intellectuellement, comme on dit, est au-dessus de la moyenne. Des images et des textes forts et les spectateurs conquis après cette projection officielle. Le film a des messages très clairs, très précis, c'est-à-dire que même pour quelqu'un qui passe, juste avec un bout de phrase, peut comprendre de quoi il s'agit. Ce film vient de dépeindre donc le comportement des jeunes cadres qui, au lieu de se concentrer donc sur l'avenir de leurs enfants, courent les rues et sont derrière des jeunes filles. Et après, c'est la maladie, c'est la ruine de la famille et s'en suivra la mort. Notons que la série télévisée Réseau est diffusée depuis le 16 mars 2014 sur RTI 1 le dimanche à 18h05 et rediffusée le vendredi à 16h30. Le premier coup de clap a eu lieu en 2013. Ne sois pas aussi radical. Il n'y a pas que toi seul qui sois concerné. Pense aussi à tes enfants. Ils souffrent déjà des bêtises de leur père.